Ok, je me nomme M. Mbala Lukwaku Gauthier, secrétaire fédéral adjoint de la province ville de Kinshasa, de la Centrale Congolaise du Travail en sigle CCT, affecté au ministère des Affaires foncières. Ici, je voudrais juste épingler la perte de vitesse et les cas d'usurpation des fonctions au cabinet du ministère des Affaires foncières de la République démocratique du Congo à travers une lettre, un ordre de mission signé en date du 28 septembre par l'excellence Molendo Sakombi, mandatant trois personnes, je cite, M. Mbiyi Trésor comme conseiller financier, M. Mbuya Mako, expert du cabinet, M. Bokango Jili, chargé de titre. Quelle est la mission que le ministre les a assignée? Objectif de la mission, contrôler la régularité des opérations de taxation de délivrance des certificats d'enregistrement des contrats de concession par nature et des actes. 2. Se rassurer de l'effectivité de leur paiement auprès des banques commerciales de la République démocratique du Congo à travers les truchements de la direction provinciale de la DGRAD. 3. Réquisitionner les registres entrées et sorties du conservateur des titres immobiliers et rapprocher avec les registres d'intervention du bureau domaine, modèle A et B, du bureau d'enregistrement ainsi que celui d'attribution des numéros cadastraux au bureau de la documentation avec les fiches domaniales, les dossiers mères ainsi que les fiches cadastrales, les fiches cadastrales plutôt. 4. C'est rassurer que tous les dossiers de mutation sont transmis à l'inspecteur général de finances pour visa. 5. Entendre tous les cadres concernés sur le procès verbal afin d'établir les responsables à la lumière des irrégularités. La durée de la mission, c'est pour 10 jours. Le débit open, la clôture open. Messieurs les journalistes, je suis devant vous pour vous éclairer. Je voudrais éclairer votre lanterne quant à ceci. Le ministre Molin de lui-même, il a dévié la mission, la quasi-totalité de la mission qu'avait demandé les syndicats de la CCT. En date du 22 septembre 2022, nous avons demandé à l'inspecteur général des finances de bien vouloir venir contrôler les recettes injectées par le gouvernement central au port de notre ministère. Dommage! La mission a été détournée par ces derniers. Alors, le lot, IGF en atterrant sa même mission à Sengi. Maintenant, ni n'y a l'insoua ça. D'où, pour nous syndicats et nos syndiqués, nous avons examiné ceci. Je vais lire encore une portion. Que les syndicats des affaires foncières s'insurgent contre l'ordre de mission du 28 septembre 2023 du ministre Molendo Sakombi et lui demande de les retirer sans délai pour des raisons suivantes. Les missions assignées à ses membres du cabinet sont des attributions de la direction de l'inspection générale du secteur général. 2. Seule la justice peut requérir les registres et cadastraux dans une procédure régulièrement enrôlée conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Et en aucun cas, le cabinet du ministre peut en faire son objet. 3. Requérir les registres illégalement pendant 10 jours revient à paralyser les services publics de l'État congolais à travers les cadastres et les titres immobiliers du ministère des Affaires foncières et constitue donc un voie de fait pour les assujettis dont les dossiers seront condamnés à être mis en veillesse et en demeure et être condamnés à être bloqués à cause de l'ordre de mission controversé du ministre des Affaires foncières. 4. L'inspection générale des finances est actuellement en mission dans les circonstances foncières de la ville prophète de Kinshasa, avec le même objet, d'où le ministre des Affaires foncières est en train de torpiller la mission de l'IGF dont il est lui-même l'initiateur. 5. Une mission de Kinshasa et à Kinshasa ne peut se faire que par véhicule et non par avion, comme mentionné dans l'ordre de l'émission du ministre des Affaires foncières controversé. 6. Les membres du cabinet n'ont aucune compétence d'entendre les cadres de commandement sous quelque motif que ce soit. Messieurs les journalistes, assez c'est assez. Nous comprenons tant que syndicats,
je vais exposer ma pipe pour la gloire de l'Éternel pour la base d'affaires foncières. Ton banque est le côté. Ton yébi qui a résisté pas contrôlé. Il y a un arrêté bidon que le ministre avait signé l'année passée. Que conservateur Nyon soit composé acte à vous arrêter pénalement, à vous poursuivi pénalement. Et cet arrêté-là, il va tourner contre lui parce qu'il a passé le jour passé. Bientôt, les élections. Le 23 décembre, voulant pas, les élections seront crédibles. Alors, le messieurs, sachant qu'il y a une association d'affaires foncières, à l'Ignan Mriébisso, à Kangaba, dossier, on a dit, on a cité Awa. Dossier, il y a Cercle Pic, ils en ont 4, il fallait Aboum, Aïba. Dossier, il y a cimetière à Kassavou, à Teki Mapang en cascade. Dossier, il y a Simakan Kokolo, ils ont un dossier dans la 4 de boucher. Dossier, ce que je dérangeais, Batumakas, ils ont un dossier à Mwanda. La loi, tout ce que nous faisons aux affaires foncières, c'est parce que la loi dit quelque chose. Nous liserons en rouge, parce que la loi nous donne l'ordre de liser si la mise en valeur est très suffisante. En jaune, si, elle est insuffisante. En vert ou en bleu, si, elle est amphithéose. Mais où est-ce que le lobby en côté? Le lobby n'est pas passé sur le terrain, dans le terrain, dans le marquage, dans l'océan. Le gouvernement s'était engagé au passé dans le pour le numéro cadastre de l'océan. Chose grave, parce que c'est un mot imaginaire. À l'ingage, il s'est dit que c'est un dossier. Nous disons ceci à M. Molendo Sakombi. À Kangisa en 2022, au chemin, ma correspondant, ma collaborateur, étant syndicat. Moi, j'engage la République démocratique du Congo à travers cette structure. Je ne serai jamais affaibli. Je ne serai jamais intimidé. Je suis l'agent de l'État congolais. Je resterai l'argent de l'État congolais pour l'intérêt des peuples congolais. Toko landelaye, nabilo konyo sa zo devye. Toko ti kayete. Nous avons d'ailleurs une preuve. Peut-être mon aki yango l'acheté. Mais du moins, to permettant qu'il nous a mis ça dans ma bonne registre, M. Kende, comme témoignage. Toko fonde na bakouze tribunaux pour l'illégalité à procéder un point barre. Na passé au président Abissou Agoumbi. Merci. Merci pour la parole, messieurs les journalistes. Ça va. Oui, merci pour la parole. Messieurs les journalistes, la CNSS, bah, résiste à Kendaka. Ils ont allé sous soutien, ni au Sebungaka. Donc, tu as dit que tu as démarré toujours. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors que Bissonon, son argent, tu as un syndicat, tu as uni Bissonon, tu as avancé, tu as dit. C'est un peu ça. Merci, messieurs les journalistes, pour m'avoir accordé la parole. Les intervenants qui m'ont précédé ont presque tout dit. Je vais ajouter simplement un élément. Il y a des choses qui se passent dans ce ministère qui sont ignobles et inhumaines. Les registres, nous avons déjà été victimes de ce genre de choses. Pendant la période de la conférence nationale souveraine, comme l'a si bien dit mon collègue le président de la Gombe, Jarika, nous avons déjà été victimes de pertes de registres. Jusqu'à ce jour, toutes les traces sont parties. C'est difficile à retrouver ces traces. La même histoire va encore se répéter en 2023 pendant que nous tendons vers les élections. On vient prendre les registres. N'oubliez pas que les attributions du conservateur sont conformes à la loi. Les registres du conservateur ne peuvent pas quitter la conservation conformément à l'article 228 de la loi. Qu'on ne continue pas à violer la loi. Nous prestons conformément à la loi au ministère des Affaires foncières. Les registres ne peuvent pas sortir. Nous recevons les cours des tribunaux en audience foraine. Ils passent très souvent aux affaires foncières. Ils consultent les registres sur place et les laissent sans rien bouger, sans emporter les registres. Ça ne se fait pas. Alors, nous sommes en train de défendre toutes les causes justes concernant le ministère des Affaires foncières. Il est demandé à nos collègues agents du ministère des Affaires foncières d'être derrière nous, de nous soutenir, qu'on soit ensemble, qu'on soit unis. On ne peut pas poser les actes en ordre de disperser. Merci. Merci beaucoup.